Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu dans les vapes. Bon, ça va, heureusement que c'est un dimanche matin. Mais oui, je vais me faire un contre-la-montre pour me réveiller là. Enfin, c'est le mien, il est 10h20. J'ai bidouillé mon installation informatique une fois de plus ce matin. C'est pour ça que je démarre aussi tard. J'ai regardé aussi la. J'allais dire la Formule 1. Les 24 heures du Mans, il y a eu il y a une heure là, il y a eu un crash avec une Aston Martin. Alors qui heureusement s'est bien passé pour le pilote, mais les images sont impressionnantes puisque le proto s'est retrouvé sur le toit, retourné comme une crêpe. Ouais, c'est pas grave, je vais incarner l'aube. Je vais incarner l'aube. Turquie, j'aimais bien, ouais. J'aimais bien, je sais plus, il y a une. C'est quoi là? Il y a une étape qui est magnifique, je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûr, mais. Oh, puis j'ai été enquiquiné à la fois. Alors, il y a l'ambiance à Nancy le soir, jusqu'au-delà de minuit, parce que je me suis couché à minuit, ça m'a impressionné. Donc, ça m'a pas aidé à m'endormir. Et ce matin, j'ai eu un double réveil. Merde, je vais m'en. Avec les corbeaux. Basse pour le territoire, punaise. J'ai bien fait de faire un échauffement, là, j'ai du mal. Oh là là. Effectivement, la crête fait des dégâts. Bonjour AJ, bonjour Nayane. Ouais, ça va, merci, sans plus. J'ai peur d'avoir un sinus qui me titille parce que j'avais été mouché assez violemment ce matin en réveil. J'ai un peu le nez qui me titille, mais ça va encore, c'est pas une douleur. J'espère que vous allez bien aussi. Gauche 1, droite 4, attention à l'extérieur. Gauche 5, attention à l'extérieur. Gauche 2, droite 4.
c'est n'importe quoi. Merveilleux. Des tâches, j'ai l'habitude. Voilà, moi j'ai plus de capot. On a tout perdu. Non, là j'ai anticipé un peu trop le virage, là faut arrêter de déconner. Ah, tu m'étonnes. Tu t'amuses avec des toupies Beyblade. Oh, c'est bien. C'est sympa. Attends. Tout le monde va bien? Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est bien. Nouvelle mode, je connaissais sorte de toupie. Là, il y a 10 ans, toujours deux. Les bébés sont toujours stylés. Ah, ça rappelle des souvenirs. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est bien. Attends, déjà, rien. Coucou.
Bonjour Kuitsen. Lanceur de toupies et une arène. Ouais ouais. Non, il est pas. Je l'ai pas encore fait, non. Non, j'ai pas eu le temps de faire grand chose pour la chaîne cette semaine. Malheureusement. Bon, je dis ça, hein, je sais pas. J'allais dire, je peux te l'assurer durant le mois de juin qu'on a les pompons naïonnais, mais. Je préfère pas faire de fausses déceptions. Mais il viendra durant l'été, c'est sûr. Mais... Bah, tu fais comme bon te semble, Lyonnais, si ça te fait envie de faire du rallye. Bah, je me promets de vous rappeler que c'est les 24 heures du Mans, hein, ce week-end. Je regardais un petit peu tout à l'heure avant de lancer mon direct. Là, il y a eu crash à 9h fou d'un proto Aston Martin qui s'est retrouvé sur le toit. Le pilote va bien. Mais. Vigilante 8, ouais, alors j'ai fait ma recherche, tiens. Tu fais bien d'en parler, Edge, je sais plus si je te l'avais dit. Mais je suis allé dans une de mes boutiques de revente de jeux vidéo de casse sur Nancy. Et ils n'avaient pas Vigilante 8. Mais je sais plus comment, mais je crois que je vais pouvoir y jouer un de ces jours. Les deux. Les deux opus. Donc... Je vais peut-être passer par l'émulation en étant limite dans la légalité. Là, je sais plus qui m'a parlé, j'ai oublié que ça existait, c'était Rob Station. Et si je dis pas d'annerie... Ah non, c'est pas Rob Station. C'est pas Rob Station, mais j'ai retrouvé les deux disques de Vigilante. Oui, PlayStation, ouais, ouais. Donc en démat, mais bon c'est du Tipiac. Mais intéressant de les faire effectivement. Tu m'avais donné envie à Jet Club de faire du Vigilant. Et puis Interstate que j'ai la chance d'avoir. Ouais. Mais il est bien l'ancêtre aussi Interstate. Je vous rappelle que j'ai fait de nombreuses heures d'arène d'Interstate avec le cousin que vous connaissez. Et on rigolait beaucoup, c'était les vendredis après-midi, c'était la relâche pour le week-end. On faisait nos courses en famille et à l'heure de l'apéro, on se faisait une heure et demie de jeux vidéo. C'est, ah là là, c'est, ça rejoint un peu le souvenir que tu nous partageais, tu vis une scène là, d'Elan dans le garage. Ça fait des beaux souvenirs, c'est génial. C'est ça, cousin Rio qui est cousin de tout le monde aujourd'hui, c'est ça. Ça le fait bien rigoler, hein. Il s'en amuse d'être le cousin de tout le monde sur Twitch. Quand je pense que j'ai eu l'occasion de pouvoir acquérir Vigilante 8 et que je ne l'ai pas acheté, bah tu pouvais pas être devin, Néné. Tu pouvais pas être devin. Mais là, je suis allé dans le Game Shop Game Cash de Nancy. Et il n'y est pas. Par contre, j'ai pas fait le tour des Micromania. Alors, je sais pas si on a toujours trois Micromania à Nancy. Ah, que je vérifie. En triangulaire, là. Mais, vous me direz, j'ai dû regarder sur le site en ligne de Game Cash. Mais je pourrais le refaire. Que si je le trouve en dur, en vrai, pour la PlayStation, tant mieux. Ce sera plus légal, on va dire, forcément, dans l'activité. Dayonet, tu dis, bah, je savais quel type de jeu c'était, car j'avais à l'époque déjà Interstate 76, ouais.
76. Ah ouais, allez, j'ai la démo qui... Enfin, la démo. Mon échauffement qui tourne en boucle, là. Je vais reprendre mon championnat du monde. Ça arrive qu'on fasse des bons choix comme des mauvais. Tu m'étonnes. Chargé, oui. C'est la question qui me... Oui, j'en ai deux. Attends, j'ai un doute. J'étais en Argentine ou j'étais en Grèce? Ah merde! Argentine ou Grèce? Attendez. Dans l'ordre de... Attendez. Argentine ou Grèce? Peu importe qui c'est, je veux les étapes. L'Argentine est avant la Grèce? Ah, j'en étais à la Grèce alors. J'ai un doute. J'ai un doute ou c'est le niveau de difficulté? Merde! Je me suis perdu dans les sauvegardes. Attendez. Si je suis logique, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Parce que là, pourtant, il me dit WRC Pro, le mode. J'ai dû faire en facile et en difficile, là. Et ainsi de suite. Je présume. Je m'engage dans ça, tant pis, je... Ouais, j'étais à bord d'une Ford. Ouais, bon courage pour tes courses, tu une scène. Tiens, tu vas rigoler, mais tu me fais penser, j'ai un bon d'un euro de réduction pour mes plateaux de légumes, là. Apéro. Ah, peut-être que je m'en prenne d'ailleurs, tiens, quand je vais faire les courses la semaine qui arrive. Oui, jamais rien n'est perdu, oui, bien sûr, EJ. Avec les vieux qui sont toujours là. Ouais, c'est... J'ai envie de dire, c'est bizarre, t'as pas de bol dans ta région d'une scène. Moi, en général, les retraités, ils sont deux semaines à faire leurs courses pour être peinards à déambuler dans les rayons. La Grèce, écoutons la carte postale. Le rallye de l'Acropole est l'une des épreuves les plus dures. Les spéciales gravissent les montagnes grecques et le tracé est couvert de rochers et de cailloux. C'est une course éprouvante, exigeant beaucoup des voitures et des pilotes. Alors, quand j'ai eu votre conversation, Nayone, je pense que tu t'es planté. T'as voulu interpeller EJ. Parce que je comprends pas quand tu dis tu t'adresses à Tuncine, tu dis quel jeu. Je pige pas. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche à toi aussi, merci. Je sais pas, ou alors j'ai loupé quelque chose dans votre conversation, je suis désolé. Non, va zapper l'échauffement, je suis fou. Je fonce en. Voilà, premier jour de compète en Grèce. Le genou de la troupe. Tu prends des risques. Et Jack Love. J'ai un avenir, quoi. Oh, parce que le jeu est mal fait. Allez, Mendenista. C'est parti. Mais non, là, j'ai pas le temps de faire de nouveaux sons d'intro. Je pense que les prochains, oui, ça va être vous deux, Nayone et Christella. Je vais reprendre des extraits de... Ah, il chasse. Ah,
Merde! Descente alors sur du quasi gravier de la crèche, ça glisse joyeusement. La pression qui redescend à chaque fois. 3, 2, 1. Ouais, je suis sous les 5 minutes. Alors, attends, je vais t'adresser à moi, Nayone. Ouais, ça va bien que c'est là, c'est cool. Alors, Edge m'a dit au bruit de la voiture, j'ai l'impression qu'elle frotte sur le sol au lieu de rouler. Ouais, mais il y a pas mal. T'as vu comment la poussière que je soulève? Donc t'as un mélange de gravier, diverses poussières. Enfin, c'est surtout le gravier, le crac crac sous le bas de caisse qui tape. Mais ça, c'est classique, les routes sèches en grève. Nayone, tu dis j'ai mal interprété ce qu'a dit Edge. D'accord. J'avais fait un lien entre les gens de suite et le fait que j'ai manqué l'acquisition de ce dit jeu. Ah, d'accord. Je comprends mieux. La. Oui, pour un coup, ouais. Mais les gens.
Ness avec nos droits, ouais, ça va, je peux pas m'installer là. Le beau gadin en contrebas. Musique de grillon. Ça faisait. Ouais. Le titre qui jouait. Oh, un titre d'une minute. J'ai un peu le chapeau de mon choix. Oh là là, si j'arrive à les avoir tous sous la main, normalement j'ai à vue bah, mon carton de chapeau, tu vois quoi. Ce que tu veux là, il est. Ah, si ça vous amuse, j'ai encore sous la main, je l'ai pas remballé, j'ai juste déposé, j'ai encore ma perruque de cheveux longs d'hier. Elle est pas proposée, mais elle est dispo donc. Pour info, mais sinon, je crois que j'ai à peu près tous les autres chapeaux. Alors, évitez de prendre un chapeau qui tienne chaud parce qu'il fait déjà 22 degrés chez moi. J'aimerais éviter de suer du crâne avant midi, merci. Ben, merci à vous d'être là. Chapeau, cadetier. Au défaut, la môme autrose. Canotier. Waouh, attends, je regarde. Canotier. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vu le tofu. Je sais plus quelle dénomination j'ai donné, parce que j'ai celui-là qui est pas mal, qui est l'île de l'Héron, hein, comme le port salut c'est marqué dessus. Et puis j'en ai un plus léger, mais c'est horrible, on voit que les filles ont pris le gras de la massure de crâne, c'est horrible. Celui-là qui est pas mal non plus. Mais je sais plus lequel j'avais désigné en... Ah, alors que je retraverse le village grec. Oui, le premier est celui-là. Ok, ok. Ah bah, l'autre, hop, oh, bien, oh bien, je l'ai. Nickel, j'ai fait un jet de basketteur là. Il s'est posé propre dans la caisse à chapeau. Alors, qui passe le rotophile? Ah non, c'est la voiture du sage. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça dans le son. Tu as raison, Jet, tu as l'oreille. Je te l'accorde. Attends. Quitter rediff, attendez. Le souci c'est qu'il y a une butée arrière, comme le truc est bien grand, il faut que je me dresse bien sur le siège, que je puisse avoir un peu de la, voilà, le dossier qui se barre vers l'arrière, sans quoi je tape. Et effectivement, le réflexe de la sauvegarde, enfin si je peux, Drossori, qui a l'air vachement long. Ah non, j'ai pas le droit de sauvegarder. Je n'ai pas le droit de sauvegarder. Alors c'est pas tout à fait le même que sur la photo, mais c'est bien quand même. Ah merde, alors j'en aurai un troisième, mais je m'en souviens pas. Ah, je vois. Oui, je vois. Il doit vraiment être tout au fond de la boîte. Si, t'as raison. J'en ai un avec un léger bandeau bleu. C'est vrai. J'avais zappé que j'avais celui-là. D'ailleurs, il est peut-être même plus confortable et moins volumineux. Je verrai après l'étape là. Oh, c'est bien, moi, vous faites beaucoup. Cirez les chapeaux.
Et merde, je suis dans les vergers grecs là, en train de cueillir des olives. Ouais, il y en a un troisième, ouais. Tu vois, je les collectionne tellement que je sais même plus moi-même. Hop, hop, la dune. J'ai trop ralenti là. J'apprends des argent d'épingle, mais j'ai abusé. Oh là 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 là. Merde. Ah, couteau. J'ai loupé de gauche. Thank you.
il y avait des belles lignes droites là, mais c'est parce que c'était dans la longueur de l'étape du bord. On le sent. Attends, je change de chapeau. Oui, bandeau bleu, ouais, c'est ça. En meilleur état qu'actuel. Il tape là. Ouais, elle a bien changé hein, la période de rose hier. Alors, c'est marrant d'ailleurs que vous l'ayez vu rose à la caméra, mais je le conçois. Mais à la base, elle est pas rose, elle est rouge, le pire. Mais je dois avoir un problème de balance de couleur. Mais c'est pas grave. La graisse continue sous la mouvement. Oh, montagne de graisse. Oh, les... Ouais. Ouais, je vais changer de couleur. C'est pas la bonne. Je devinais que vous vouliez les deux. C'est rigolo. C'est n'importe quoi. Bah alors, Twixen, t'es pas parti faire tes courses. T'interagis avec nous encore dans le chat. Quoi, c'est pas bien rangé comme les chapeaux dans ton panneau warning avec les têtes. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que là, c'est un fourre-tout en fait. Bah j'ai ce que j'appelle ma caisse à chapeau. J'ai tout bêtement fait. Je vous coupe à tout mouf. Je partage des offres. Des offres. Yeah. Bonjour Tomouf.
Ah, je me suis trompé de plan, au secours. Chaque fois, je me gourre de touche. Oula. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Oui, j'espère que tu vas bien, Tomouf. Oui, je disais, la rousse de Nancy, c'est ça. D'un carton de déménagement en guise de boîte à... Rien que les cheveux, je pense que ça tient chaud, vraiment, mais même comme ils sont longs, ils m'arrivent sur le bidon. Bref, le carton me sert de caisse à chaque coup. Là, comme j'ai tout tourné, j'avais fait une belle pile à la base, mais là, je viens de tout tourner, donc c'est un coup de fou. Oui, on va bien dans l'ensemble, merci Tomouf. Ouais, c'est ça, canotière rose de Nancy. C'est rigolo, ça fait un style. C'est n'importe quoi. J'adore. C'est rigolo. Ah là là. Par contre, ma perruque vachement longue déballée. La question est comment la remballer proprement. Ça va être dur. Parce que là, évidemment, quand j'utilise les choses démêlent. Donc... ouais, presque j'ai un posoir habituel de... Comme dans Minecraft, j'ai envie de dire les porte-casques, les porte-armures, avec le truc qui se pose bêtement. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais... Ah, j'ai une petite idée. Ouais, alors je vais improviser un truc. Je reste à soir quand j'aurai rendu l'antenne. Dans la semaine. Bonjour Ascarcapa, comment que ça va? C'est ça, hippie psychédélique, complètement. Bonjour Ascarcapa, j'espère que ça va bien. Avant c'est bien, tu peux profiter du beau temps là, il fait beau aujourd'hui sur Nancy. C'est. Ouais, c'est un dimanche idéal à mon avis à mettre son nez dehors, à faire une sortie avec la famille. Ça y est, arrivé de l'étape. Ah. Ah. Sauvegarder et continuer. Ouais. Oui, écraser la sauvegarde. Bah, Discastro qui a l'air vachement long comme étape. Ah, moins de 10 bornes. Ouais, j'aurais dit plus. Mais on reste sous la barre des 10 km. Petit pâti. Oh! Munchaku, les pauvres, ils sont pris une barre dans la tronche.
aussi. L'espèce de boss là sur la droite. Je vais y avoir le coup d'œil. J'ai pas tapé. Voilà, j'ai eu chaud avec l'arbuste, s'en est fallu peu. Très belle étape, j'ai bien aimé. Elle était pas trop dure, elle était visible, on voyait assez loin. Le paysage était beau. Je sais plus, c'est SDN, je mets en 3 lettres, hein, je crois. Oui, c'est ça. C'est en 3 lettres. Attendez, j'ai soif, ça donne soif. Excellente nouvelle, Raskar Kapak.
Ah ouais, si tu restes jusqu'au mardi 25 juin, on pourra peut-être se voir plusieurs fois. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est cool. Alors j'ai pas mon agenda, je le fais en semaine quand je bosse, donc je remettrai mon pif dedans demain. Mais ouais, 25 juin, faut que je retienne. Il y a moyen, ouais, de s'arranger. Ah. Attends. Le week-end prochain, c'est celui où je suis pas là. Du tout. Enfin, du tout. Le samedi matin, je suis quand même là, mais samedi midi, je me carapate le samedi midi. Là, le week-end là, bien que vous voyez que j'étais présent sur Twitch, j'en avais franchement et j'ai bien fait besoin de me reposer. J'aurais pas été super prêt pour faire la promenade encore aujourd'hui. Vous voyez, en plus, je me suis fait plaisir de la grasse mat. Mais je suis encore un peu usé de ma semaine éprouvante. Donc, j'ai bien fait de pas m'engager sur ce week-end là en promenade. Mais l'idée que tu aies les prolongations jusqu'au 25 juin, oui, c'est une très bonne chose. Peut-être. J'espère que j'ai pas de rendez-vous le lundi dans 8 jours. À vérifier. Faut que je vérifie, mais. Peut-être que le lundi 24 juin. Faudra que je leur confirme, les garçons, que je regarde mon agenda, mais je pourrais peut-être me bloquer le lundi dans 8 jours. Ce serait sympa. Tac. Hier soir, nous avons visité la place Tag, centre-ville. Ta maman s'est souvenue d'endroits de sa jeunesse, dont la salle Poirel. Ouais, la salle Poirel, c'est vrai qu'elle est particulière. Bah, l'aventure présente bien, ça fait presque rue parisienne. Un conservatoire musique dans lequel prenez des cours de piano et de hautbois. Waouh! La classe. Ah, c'est bien. C'est cool. C'est bien, je vais. D'ailleurs, il faut pas que je me fasse avoir. Demain, il faut que je gère la perche et mes batteries. Que je sois prêt pour filmer comme il faut la semaine qui arrive. C'est une bonne chose, c'est cool. Ah là là là. Après, voilà, facteur météo. Là pour mercredi, normalement on est 50-50 sur le. Attendez, je vais relancer mon navigateur internet. On est 50-50 pour la météo normalement pour mercredi. Mais du jour au lendemain, ça peut changer. Putain, j'ai un moucheron à la con devant la tronche. Ça peut changer du jour au lendemain. Elle est où ma météo ici? Elle est là. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Voilà. Il y a encore deux jours, ils disaient que le mercredi il fera un temps dégueulasse. Et finalement, la perturbation pluvieuse arrive jeudi. Donc c'est bien. On aurait le temps idéal mercredi. Donc c'est bien pour notre promenade organisée. Comme demain et après-demain, je suis coincé par des rendez-vous. Ouais, c'est bien, c'est cool. Alors le restant de la semaine, il flotterait. Ouais. Attends, alors c'est beaucoup trop loin, mais il dirait que la. Ah ouais, le lundi, mardi, le 24-25 juin, il ferait beau. Mais c'est tellement loin que tout ça peut changer du tout. Mais c'est cool, c'est bien. Ça s'annonce bien à Scarcapac. À mon avis, ouais, on va se voir deux fois. Ça, c'est cool. Il y a à faire. Elle allait au lycée Henri Poincaré. Ma frangine, je crois qu'elle est. Elle a fait un an à Poincaré. J'avais une voisine il y a presque 20 ans qui allait à Poincaré aussi. Moi j'y suis jamais allé. Aucun intérêt de suivre
pour moi les filières proposées par Poincaré. Bah, ça va, ça tourne bien au 24 heures du Mans. Drapeau vert, les voitures sont bien réparties sur la piste. Oui, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, les 24 heures du Mans, je vous ai pas partagé. C'est le lien de la télémétrie en direct. Si vous voulez voir sur la carte de la piste, les bolides qui sont flashés presque toutes les secondes, et vous avez le tableau des chronos. C'est sympa. Ouais, c'est dommage pour la France. Il y a les Alpine Renault qui ont abandonné dans les 6 premières heures de course avec une casse moteur. Leur bloc moteur est pas bon. Il faut qu'ils le reconçoivent pour l'année prochaine. C'est quand même malheureux et assez rare pour des proto hypercars. Donc le plus abouti normalement, mais là ils ont merdé le prototype est foireux. Ah, une Cadillac qui abandonne. Ah, pour Sébastien Bourdais, ouais, qui doit abandonner parmi les grands pilotes. Ah la vache, c'est pas encore pour cette année pour lui. Dommage. Dommage. Bon, attendez, moi j'ai perdu le focus sur la console et je sais que le ralenti vient de se finir. Il faut que je rezappe comme il faut et que je fasse la suite de mon championnat des rallyes. Voilà. Dans les années 70, quoi, pardon? Ah oui, qu'elle fréquentait le lycée, ouais, Poincaré. Oh, j'ai dévoyé les éléments suivants. La Ford Focus. Performance Sports. Ah, bon, c'est bien. Ah, je ne suis pas dernier. Oh la vache, le malheureux qui est derrière moi, il a 2 minutes de retard. Il a dû finir avec un pneu éclaté, là, ou à plat. Oh là là, oh les écarts. Bauxite. Profitons du bauxite. L'esprit dans les ténèbres se perd. Ça va là pour le moment, finalement j'ai pas si chaud que ça. Je sens pas mal du poids sur mon crâne. La perruque pèse son poids. Je vais pas dire qu'elle pèse lourd, mais. Attends, ton grand-père paternel avait son bureau dans une entreprise de Vitry juste en face de la place Tannes. Ah ouais! Ah ouais! Entreprise de Vitry juste en face de la. Ah ouais! Ah ouais, alors là. Une entreprise de Vitry devant la place Tannes. Alors ça, on en avait jamais parlé. Il faudra qu'on en discute, qu'on se verra, on se capte après. Parce que ça me surprend comme localisation. Oh merde! Ah con, je suis dans la rivière. Ah. Je m'en sors plutôt bien. Ah. Il faut freiner alors que c'est une peau. Oh là, la graisse là qui est en train d'épouser des airs de Pike Spix, je sais pas si c'est la célèbre pour ce feu que je vous fais dans l'heure, je vous ça vaut. J'arrive trop vite. Waouh, je me suis fait peur. Quoi faire? Ah oui.
oula, 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 oula. Ça doit être un bâtiment qui a dû être démoli, déconstruit, parce que... Alors, je réfléchis à l'évolution de la postale dans l'histoire. Mais il faudra qu'on en reparle, ce carteur, ça m'intrigue. Ça m'intrigue l'histoire de... Mon grand-père paternel. Oui, attendez, j'ai pas pris mon médoc du matin. Je suis haut. Oh. Ah oui, ça c'est le coup de la rivière, terrible.
ou vache. On aurait dit que la bagnole était pas tous. Ouais, 19 degrés dehors, mais à jour. La rediff. Red Nebula, j'aime bien. Ah, je me défends. Je me défends. Oui, du coup, je regarde à outrance. Je sauvegarde à outrance. Oh, Drossori 2 a l'air vachement long. En tout cas, c'est... Je vais me coltiner que des virages en lacets. 10 bornes. Direct. Pff, ouais, on a un peu plus de 7 minutes. Bah, va falloir s'accrocher à tout ce qu'on peut. Allez, go. Oh, les bêtises. Vache, patine dans le gravier. En anguille, elle chasse trop. Hop, 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 hop. Un paquet de clapote. Ouf. Ouh, ça fait mal comme gadin. Je suis tombé probablement dans le piège de l'étape.
Hop là! J'ai dégusté du buisson. Ah, je m'embourbe, je suis trop sur le côté. Attends. Ah oui, merde. J'ai mal lu la route, pardon. J'ai un peu coupé. L'intersection. Merde. Aïe, je suis dans le tronc. J'abuse. Oh là 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 là. Et merde. Ah non. Non. La caca. Oh, ce virage. Ouh, arrivé plein de balles. J'étais à fond de sixième là. Incroyable. Incroyable. Ah, j'ai battu mon record. C'est une heureuse nouvelle. Je m'améliore. Ah, il faut tout dire ça sur le Discord. Oui, à l'occasion, n'hésite pas à partager, merci. Ouais, bah c'est la belle saison, c'est bien, ils vont pouvoir se dégourdir les pattes.
Ouais, c'est une belle édition, là, je regarde le résumé en direct des 24 heures du Mans, c'est une belle édition cette année, c'est bien. Il y a beaucoup de rebondissements, le plateau est magnifique. Qu'il n'y ait plus de drapeau jaune jusqu'à la fin, il leur reste un petit peu plus de 4 heures de course, ils arrêtent à 16 heures. Oh, c'est bon. Chabao. Chabao, chabao, chabao. Ouais, reste peinard dans le jardin. Ouais. Ah merde, un nouveau drapeau jaune. Oh, à l'instant, au moins. Ah bah merde alors. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient? J'imitais la position de la statue de Castagne, bien pression d'être soir, je t'ai envoyé le photo par MMS. Ah merci, je vais regarder ça. Il recharge mon téléphone. Parce que sa batterie est à plat, mais ouais, je vais regarder à ma pause déjeuner, Oscar Capac, je te répondrai tout à l'heure. Merci. Oh merde, drapeau jaune. J'espère que c'est pas un grave accident ou non. Enfin bon, bref. Attends, moi, faut que je revienne à mon rallye. J'ai très vroom vroom, monsieur Maca. Oh. La tête du copilote. J'aime bien. Oh là, je me sens un peu mouillé, je me rends. Qu'est-ce qui... Ah bah oui, je suis bête, c'est mes écouteurs. Donc je vais faire passer par là d'ailleurs. Thank you.
Je ne suis pas dernier. Ah, la super spéciale, gars. Il est à Parnassos. Ah, je les aime pas les super spéciales, je les gère mal. On peut dire très mal. Là déjà je fais mal. L'autre est déjà arrivé depuis... depuis 7 secondes. Et encore, ah bon. Alors ça, c'était la première fois que je faisais la spéciale, ou alors je me suis amélioré. Comme quoi. Ah bah c'est bien, tu vois, tu décoches une... Enfin, tu retirages une célèbre Stratos à l'écart. Bien joué dans cette circonstance. En maîtrisant la Stratos dans mon étape, là, tu nous aurais explosé. Elle est légendaire, là, aussi, Stratos. Oh, allez, t'es... C'est le nom du titre joué. Aïe. Je ne suis pas le pire. Je ne suis pas le pire. Ah, on va changer de pays. Alors après la Grèce, je sais plus. On va avoir droit à une carte postale, de facto. Après la Grèce, je sais plus qu'est-ce qu'on enchaîne. Ouais, j'ai empointé, c'est merveilleux. On est nul. En bas du classement. Alors Mitsubishi en dernier, ça me surprend. Alors là, Mitsubishi à Aramas, ça m'étonne. Ah, la Chypre. On aura fait que des destinations sèches ce matin.
Vous du Diou. Le rallye de Chypre est une épreuve difficile sur Terre, aussi cassante que celle de Grèce. Les pistes de terre serpentent parmi les fermes et les villages des montagnes du Troodos. À Chypre, la vitesse est réduite, mais les difficultés sont accentuées. Tête, il tourne au sol, mon Dieu. Ah. Mmh. Oui, il y a des ravins, génial. Environnement, c'est quoi? Ah, que du gravier, merveilleux. Il a pu être posé une question pour les pneus. Ah, bah, attends. Non, c'est quelle étape où je suis dans une carrière? Enfin, c'est quel pays où, à un moment, j'ai une étape dans une carrière? C'est en Chypre? Ou Turquie? Non, je sais plus. Peu importe. Non, je suis fou. Je passe la phase et c'est libre. Je suis faux. Je suis faux, faux, faux. Alors, cours d'Ali Assinou. Mmh. Bah, le début, apparemment, c'est pleine balle, vu la ligne droite. Oui, pas long, ouais, moins de 5 bornes. Ouais, ça te tracé en moins de 4 minutes. Ok. On rallie cours d'Ali à Assinou. Ah là là, la Chypre. Les Chypreux. C'est bon, tout est prêt, monsieur Marshall. J'ai une bas de caisse qui est pris dans le décor là, c'est une horreur, vraiment. Avant d'être sur un rail, donc je peux pas me défaire. Rocher de mes deux. Brrr. Et c'est infernal.
éprouvant. Oh la vache. Court mais intense. Hein. Oh là 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 là. Bon, du coup, je peux pas m'empêcher d'aller regarder rapidement voir ce qui s'est passé au niveau du direct du moment. Ah, nouveau drapeau vert, donc ça va, c'était pas grave. Ah, McLaren, ouais, une GT3 McLaren, ça va, d'accord. Ok, oui, non, c'est une panne. D'une scène. Ça fait partie de nos émoticônes de Twitch par défaut. Ah, elle est belle, la tête de moi. J'ai beau. Le geste de rage du copilote, ça me fait toujours délirer. Ah mon dieu. Ah. Là ça pique, merde, je suis dernier. Alors, oula. Ah, 7 km2. Qualigna. Fuani. On va essayer de la boucler en 6 minutes. J'ai bien, on va essayer, sans incident. Bon,
ça commence mal. Je suis trop brouillon dans les virages. Au niveau des trajectoires. Merde, je croyais que c'était la rambarde intérieure, moi, pas extérieure. Oh bah allez, autant revenir. Mais non, mais il m'avait réinitialisé le boxon. Oh, je perds un temps monstre. C'est une catastrophe. Pour ne pas changer. Oula. Oui, bah... j'ai pas le droit de passer ça, je suis vite faire marche arrière. Mais je reconnais le rocher un peu gros. Ah, oulala, c'est une horreur. J'ai... alors le freinage absent, elle a glissé, mais alors je sais pas, là j'ai pas compris la bagnole. J'avais beau freiner, il se passait rien. Comme sur une planche à savon, l'horreur, j'ai glissé. Sa droite.
au dernier moment, donc du coup j'ai plus qu'une de traviole. Donc c'est gauche-droite, merci. Merde. Voilà, on a un petit peu coupé. Message de Torota 77. Bonjour, c'est Sébastien Loeb. Je ne sais pas qui conduit, mais je ne le veux même pas de copilote. Si à la limite pour pousser la voiture. Et encore, je ne sais même pas. Ouais, et la voix elle est excellente à la lecture, l'intonation elle est parfaite. Bonjour Torota, j'espère que tu vas bien. Je me posais la question tout à l'heure de me dire mince, t'as pas trop vu ces dernières heures. Tu dois être claqué au niveau énergie. Ouais, non, je sais la galère. Mais je reconnais que je pilote très mal. Mais je fais pas une approche pro en fait. Je devrais vraiment faire les étapes d'abord à froid en essai libre. Et seulement après à me lancer. Une fois que j'ai vraiment mémorisé les particularités du tracé, là je suis en mode touriste, vous l'aurez deviné. Mais je devrais vraiment faire ça consciencieusement, je le ferais en... Il y aurait de la redondance en fait. Je pourrais faire plusieurs fois en boucle la même étape, donc c'est long déjà. Et c'est pas forcément passionnant. Ouf. La bataille de cartes pour Adjet, pas de bol. Ah, alors que Namene gagne. Oui, j'ai vraiment fatigué, compliqué en ce moment, ça tire beaucoup. Ah merde. Ouais, bah bon courage avec ça. Bonjour Cocosi, j'espère que tu vas bien, bon dimanche à toi. Mais c'est vrai que l'accoutrement là, ouais, je fais une pisse, c'est rigolo. On va tout défoncer. Ouais, ça va bien, Cocosi. J'ai encore un peu de DRS, de courbature et de fatigue de la semaine. Mais ouais, dans le sens, ça va, je récupère. C'est bien. Normalement, de demain, je serai en forme. Bon, j'espère que j'aurai, comme on dit, la plénitude de mes moyens. La semaine qui est passée m'a pas mal bouffé, punaise. Plus en physique que morale d'ailleurs. Heureusement que c'est pas toutes les semaines comme ça. Ah, la Chypre. La Chypre, la Chypre. Thank you.
Bon appétit hein, pour ceux qui passent à table ou qui sont déjà en train de siroter leur apéro. Je vous donne une raison. Ah oui, alors l'indication foireuse du, ouais, du gauche-droite. Donc du coup, moi n'ayant pas mémorisé, j'ai fait strictement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je sais plus si je vous en ai parlé. Un mince truc, je suis en train de voir que j'ai ma petite de boîte de jeu qui s'est. C'est arrivé. Suite. Je pense que je 13h j'arrête pour déjeuner. Je vous mettrai des clips à gogo. À moins que vous ayez une volonté, je pourrais vous laisser voter sur qu'est-ce qu'on fait à la pause déj. C'est vrai qu'on peut faire un relais de chaîne aussi. Non, pour vous dire que dans les occasions simulateur de ski sur la PS2, hein. Je sais pas ce que ça vaut. Attendez. Orkondas Stavroulia. Ouche. Oh la vache, elle est longue, 10 bornes, il y en a pour 8 minutes. Je sais pas ce que ça vaut. Ce sera rafraîchissant pour cet été. Je veux dire, pour contrecarrer les Jeux Olympiques d'été, on s'en prend un peu d'hiver en ski. J'ai payé ça une misère, vous voyez, 3 euros. Je sais pas si on le voit. Très sympa. Chez moi, j'y. La Ford, je la comprends pas dans son jeu de rapport de vitesse et de motricité. Elle a des coups de mou, et puis il y a certains rapports, elle part pleine balle, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, pour vous dire, de maîtriser une bagnole qui a des problèmes électriques motorisation. C'est bizarre. Je comprends pas la Ford Focus.
Merde, je suis pas du tout les fois allé. Tout va bien. C'est quoi? C'est là qu'on allait? C'est là. Ah oui, c'est un super virage du tracé. On est en train de faire l'ascension de la montagne. Là. Merde. À chaque fois je me fais avoir avec cette intersection à la noix. Le pire c'est grand mais je vois rien. J'ai du caca dans les yeux, je vois pas le virage. Je me persuade à chaque fois que c'est après. Malgré la signalétique officielle. Oh là 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 là, c'est un désastre. Oui, c'est une horreur. Oh là 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 là. Je m'en casque dans tout ce qu'il faut pas. Ah merde! J'ai pas l'air con. Comme d'hab. Je n'ai pas vu l'intersection. Tout va bien. Oula!
Ah bah je pensais pas prendre l'extérieur à ce point. Éprouvant. Et je me suis amélioré, puisque là il vient de me dire d'inscrire mes lettres de noblesse là dans le tableau de score. C'est que j'ai fait mieux que la fois précédente. Dur, vraiment. Mais elle est. Je confirme mes propos, hein. La fortitude c'est trop bizarre quand même. T'as l'impression que les deux premiers rapports sont mollassons et dès le troisième rapport enclenché, elle part pleine balle, tu sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un mauvais réglage de boîte de vitesse, je comprends pas. Heureusement qu'il y a des barrières, oui, d'ailleurs je trichote, vous devez le voir. Parfois je m'en sers pour me remettre dans le bon axe, dans la bonne trajectoire. Donc la carrosserie, je la mets largement à contribution, ouais. Ouais, heureusement qu'elle est derrière. Mais la Ford Focus, faut que je retienne qu'il faut pas que je prenne cette bagnole parce que je suis en souffrance avec. Je suis vraiment en souffrance avec. Elle est pas pour moi la Ford Focus, c'est dommage. Elle a ses qualités, hein, mais elle est pas compatible avec mon profil de pilote. J'arrive rien à en faire. Voilà. Oui, pardon, je vais retirer mon accoutrement, je vais aller me rafraîchir parce que là je commence à avoir chaud au crâne. Je reviens. Je vais faire un peu de chaleur.
arrive au moment. À la fin du. De la rediff. Oh mon dieu, j'ai foutu une baigne magnifique à la caméra. Tout va bien. Ah ouais, non, ça fait du bien de se rafraîchir là. Donc du coup, j'ai enfourné ma tarte flambée, la flammekuche, comme on dit en alsacien. Ouais, c'est cool. Ça, à 13h, je coupe le four. Quoi? Message de l'underscore. Sage underscore de underscore Nancy. Hein? Votre attention, s'il vous plaît. Dorota 77 réclame une anecdote. Cher. Ouais. Dorota 77, merci de bien vouloir décliner, dans le chat, le thème ou le mot-clé désiré. Le dernier succès dans Ink Prologue, il faut aller dans l'évier de la cuisine. Waouh. Le pire bar informatique que t'aies eu ou connu dans ton métier. Oh, excellente question, Torota. Alors que je vais m'engager sur Nata Galatareya qui fait 10 bornes, non 7 bornes, la vache. Oh, ça va être gauche, droite, gauche, droite, gauche, sans lasser le truc. Le pire bug informatique que t'aies eu connu dans ton métier. Alors, je vais peut-être te faire deux témoignages. Le premier, c'est le premier historiquement, j'ai envie de dire, dans ma carrière. En mairie. Un bug. Alors, tiens, d'ailleurs, l'anecdote va être... Je vais donner un conseil après l'étape aussi. Attendez. Je réfléchis à ta question, ton retard, je te réponds après l'étape. Adieu! Oh! Mais elle est horrible cette étape, c'est super dangereux. Pire bug. Putain, j'en ai eu des vertes et des pas mûres au niveau des bugs informatiques. Mortel Spirit. Désolé pour le code. Thank you.
Oh là là. Voilà. Alors, excellente question, Torota. Pendant l'étape, il y a plusieurs souvenirs qui me sont revenus en mémoire de galère. Alors déjà, je vous l'avais déjà narré, mais je me répète parce que c'est important en expérience informatique. Il y a l'importance des traductions de logiciels. En général, le conseil que je vous donne, c'est quand vous prenez utilisez un logiciel, il est quand même, si vous pouvez, il est vivement conseillé de conserver la langue originale du logiciel. Donc dans 90% des cas, c'est de l'anglais. Et en début de ma carrière, quand j'étais missionné par une mairie, il y avait une salariée de la mairie qui m'avait interpellé en me disant « Monsieur l'informaticien, je comprends plus rien à mon logiciel, c'est la Berezina, il faut absolument que vous m'aidiez, j'ai besoin de vos lumières. » Et je m'étais rendu compte en fait qu'elle utilisait une traduction foireuse en français de son logiciel de Ponta. Et au niveau de la traduction, ils avaient interverti les débits et les crédits au niveau de l'anglais. Ce qui est débile au possible. Donc, j'avais expliqué à la pauvre salariée, la pauvre employée de mairie, j'aurais pas dû toucher ma caméra, elle était très bien. soit vous retournez en anglais et c'est correct, soit vous gardez le français mais vous persuadez du contraire. Quand vous faites un débit, c'est un crédit et vice versa. Alors, bug, voilà, l'erreur est humaine à la conception de la traduction. Ça, c'en est un premier. Après, là où j'ai une situation catastrophique pendant des mois en informatique réseau, c'est que j'avais un serveur qui avait été mal programmé. C'est-à-dire que parmi les services proposés sur le réseau par le serveur, il y en a un qui s'appelle le DNS, le Domain Name Service. Et en fait, l'idée, ça vous traduit les adresses IP, les numéros de sécurité sociale des ordi, les IP, sont traduits en langage clair pour nous humains. C'est-à-dire, on saisit une adresse sur les réseaux, je veux atteindre tel ordinateur ou tel service. Par exemple, la compta, je vais reprendre mon exemple précédent, je veux atteindre depuis mon poste la compta pour transférer des données sur le réseau. Et en fait, le gars qui était passé avant moi, qui avait conçu enfin, programmer le serveur, moi je ne faisais que de l'entretenir. C'est un confrère qui m'a aidé à débusquer le lièvre et qui m'avait posé préjudice pendant des mois, j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais sur le réseau. Le gars a fait une erreur de saisie dans le nom de DNS au moment de l'enregistrer, ce qui est gravissime. Mais une erreur, alors. C'est pas vraiment un bug, mais c'est une erreur humaine, mais qui a de graves conséquences. En fait, le gars, il s'était planté dans l'espace. Il avait fait sa saisie un peu à la chiasse comme moi dans le chat quand tu vas trop vite. Et bah, pour un ordi, c'est totalement différent. Hein. Quand il y a un espace en trop dans un nom, c'est un autre nom. Et ça avait complètement cassé la dynamique sur le réseau au niveau du service DNS, donc c'était la chienlit. Et alors, on croyait un bug, mais c'est pas vraiment un bug, c'est une erreur humaine. C'était une erreur de saisie à l'installation du serveur. Et j'étais jeune, j'avais pas encore le flair. Et c'est un confrère informaticien qui est venu m'épauler, qui m'a dit non, le sage, t'as pas vu, mais là, le gars qui t'a fait le serveur, quand tu l'as repris en main, le gars, il a fait de la chiasse. Il faut redémarrer de zéro. Et entre-temps, on s'était d'ailleurs continué une migration de serveur, qui est la pire étape. Enfin, la pire étape. Ce qui est pire pour un informaticien réseau, c'est ça s'improvise pas. Une migration de serveur, c'est. En général, c'est un an de boulot. Enfin bref. Bug. Le pire bug que j'ai eu. J'en ai eu des vertes et des pas mûres. Alors, réseau pas informatique, mais téléphonique à un moment. Toujours dans une entreprise qui avait besoin d'une mise en place de téléphonie sur IP. Mais celui-là, le bug là. Je suis pas sûr que ce soit un bug. Peut-être que c'était une erreur de configuration qui là aussi il y avait quelque chose dans la technique qui m'échappait. Je suis pas à l'aise dans la téléphonie. Mais là c'était des postes physiques, hein, des postes numérotés dans la boîte. Les bureaux qui s'appellent entre eux. C'était bizarre. C'était chaotique, c'était trop aléatoire.
dans le système de réseau téléphonique qu'il y a en interne. Parfois on tombait pas sur le bon poste, ou parfois la ligne semblait tomber dans le vide, alors que le poste était bien présent, il y avait bien quelqu'un dans le bureau. Enfin, j'ai plein de bizarreries à vous raconter d'expérience. Mais le terme de bug informatique. Mon exemple le plus probant, c'est le premier que je vous ai donné, c'est l'erreur de traduction. J'ai eu aussi une belle merde. Il y a longtemps, c'était une conversion, une mise à jour de base de données. Il fallait que je convertisse une base de données d'un... Comment je peux vous expliquer ça ? D'une version à une autre. Et le problème, à la migration de la base de données, l'encodage n'était pas le même d'une architecture à une autre. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des enregistrements dans la base de données corrompus. Et alors, ça se corrige relativement vite, à partir du moment qu'on repère les caractères de substitution qu'il faut remplacer, pour faire rechercher et remplacer tous les champs dans la base de données. Alors, bug, oui et non, tu vois, c'est discutable le terme bug. Il faut réussir à s'adapter en fonction des pépins que tu rencontres. J'en ai eu des pas mal et des... Quand tu constates les dégâts, tu dis « Merde, j'en ai pour des journées de boulot, quoi. » Mais bon, c'est les joies de l'informatique. Hein. L'essentiel étant de savoir retomber sur ses pattes. Merde, je suis bon dernier avec... près de 2 minutes de retard, crotte. Faut que je regarde l'heure, parce qu'il faut pas que j'oublie mon miam en four. Faut pas que je crame ma tarte flambée. Je veux une tarte flambée, pas une tarte cramée. Fueni, Koalinia, ça a l'air rapide comme étape. Ah, je l'ai jamais faite. Si le record à 10 minutes pile, c'est que je l'inaugure, je l'ai jamais faite. 7 km 2. Bah, je fais l'étape là et je coupe mon four. C'est vital pour... Et je réfléchis encore à ta question, Torota, elle est excellente. Parce que j'en ai tellement vécu des situations enquiquinantes à résoudre. Mais de là à parler à... Merde, oh, pardon. De parler de bug, à proprement parler, je creuse ma tête. Je réfléchis. J'ai un souvenir qui me revient de bug, mais matériel celui-là. Je te dirai après, Torota. Ça aussi, c'est chiant quand t'es technicien réseau. Là aussi, le terme bug est discutable. Oh la vache, je sens l'odeur de mon plat là qui arrive dans le salon. C'est super bon. Ah, ça m'ouvre l'appétit, j'ai faim, arrêtez, c'est alléchant comme odeur. Ah, ça sent bon la crème et les lardons. Je vais encore m'engraisser, mon médecin va me gronder. J'ai des déchirures. Ouch. J'ai cru qu'elle allait basculer.
sent bon. Ça me déconcentre du coup l'odeur. Non, c'est pas la merde, j'ai pas compris les instructions du copilote. Oh, le con. Je vais gérer mon four et je leur donne une autre anecdote. Pardon, vous avez le merde. Pardon. Vous avez l'interface. Alors, bug. Toujours le côté ambigu. Mais ouais, on peut parler d'un bug à terme. Le vieillissement de l'électronique, les périphériques réseau que sont les concentrateurs, les routeurs. C'était un 24 ports, c'était pas un routeur. Non, c'était un répartiteur, ouais. C'était l'intermédiaire entre le concentrateur et le, enfin bref, et le routeur. Mais pour dire, bref, vous savez les bêtes de brassage là, avec tout le maillage réseau, tous les câbles qui arrivent en cascade avec les belles RJ45. Il faut faire gaffe à ces matos-là qui sont éprouvés H24. Et moi, j'en ai un qui a mal vieilli, ce qui est prévisible, ce qui est normal. Hein. Il y a une durée de vie, ça dépend des modèles. Mais, s'il n'y a pas de problème de surchauffe, en général, c'est comme un ordi, le périphérique, qui tient 10 ans, sorti d'usine.
Mais il faut être rigoureux, bien aérer la salle, s'assurer qu'il n'y a pas trop d'humidité, et qu'il ne faut pas trop tirer sur les débits de puissance de chaque port, parce que sinon il s'épuise vite et l'électronique flambe, quoi, ça finit par griller. Et j'avais eu un périphérique réseau comme ça, jour après jour, qui se faisait vieux et qui finissait par dérailler. Déjà, les débits déclinaient en performance. Et puis, du jour au lendemain, parfois, il y avait des postes qui étaient absents sur le réseau. C'était le périphérique qui lâchait l'affaire. Alors, là aussi, est-ce qu'on peut parler de bug ? J'ai presque envie de dire oui, mais on en connaissait la cause. C'était le vieillissement des puces électroniques dans la machine, dans le périphérique réseau. Et ça se faisait vieux, donc voilà. Plus le temps passait, plus ça déraillait. Hein. C'est triste à dire, hein, mais quoi, c'est comme toute chose, comme un humain qui vieillit mal. Il décline, il devient complètement en gaga. Et voilà. Pareil pour le matos, périphérique réseau. Là, c'est des séries de bugs. Tu te dis, mais pourquoi ça fonctionne pas? Sur le papier, c'est censé être nickel chrome, mais dans la pratique, il y a des couacs. Pourquoi? Et c'est là où il y a ce qu'on appelle des méthodologies de résolution de problèmes, où il faut remonter à la source pour savoir tout détricoter dans ce que tu as mis en place au niveau du réseau. Et voilà, après, c'est l'expérience qui parle. Après, t'as le flair ou tu l'as pas. Voilà, je sais pas comment mieux vous décrire la galère parfois qu'on peut vivre à ce poste. Non, je pense que le entre guillemets bug le plus perfide, le plus dommageable dont je vous ai témoigné là dans la série, c'est le mec qui avait mal installé le service DNS, qui avait commis ce qu'on appelle une coquille, une erreur de saisie dans l'enregistrement du DNS avant de démarrer le service sur le serveur. Ça a tourné pendant des mois avec un serveur, on va dire, visé bancal, quoi. Le truc qui est pas bon du tout. Voilà. Mais je suis certain, parce que j'en ai vu tellement des vertes et des pas mûres, des cas pratiques, que je pourrais avoir des réminiscences. Oui, j'avais pas l'air couillon sur celle-là. Je pourrais avoir des retours en mémoire, des réminiscences de moult anecdotes. Vraiment. Il y en a peut-être même, d'ailleurs, je me demande si j'ai pas le symptôme, vous savez, de la guerre du Golfe. J'ai un virus psychologique qui me dit non, oublie, c'était tellement horrible qu'il faut oublier. Ça, je suis prêt à le croire. Ah là là. Voili, voilou, vous savez tout. Ouais, j'ai fini le café au lit du matin. Oh là là, même le bug de la mousse d'hier soir est rincé, il n'y a plus rien dedans. Il faudrait que je me refasse du... Ouais, je continue à carboire sur la cerise, etc. Je m'interroge. Ouais, je me suis mis au sondage. C'est quoi le sondage déjà? Non. J'avais oublié que j'avais cette commande. Oh, avant de faire IGT3, la classe, ouais, stylé. Là, tu roules pour la Scuderia, symboliquement parlant. Mais cher, oui, voilà, sondage miam. C'est l'heure de la soupe. Voilà, c'est la bonne touche. Ou casse-croûte. Pause déjeuner. Bon appétit à toutes et tous. Miam, 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 miam. Sondage en cours. À vous de décider qu'est-ce qu'on fait pendant la pause miam. Premier choix, on fait un relais de chaîne. Deuxième choix, on regarde les clips d'Agobo. Ou troisième choix, on peut se visionner une promenade. Ah bah merde, c'est l'arrivée. Qu'est-ce que je fais? J'en fais une dernière. Ouais, allez, j'en fais une dernière, ça vous laisse le temps de voter. Je vous laisse le temps de voter. Qu'est-ce qu'on fait à la pause, déjà? Est-ce que je fais un relais de chaîne? Est-ce que vous voulez une compile? Est-ce que vous voulez les clips d'Agobo? Est-ce que vous voulez une promenade, par exemple?
promenade, je pourrais vous remettre le mess story avec les maquettes et les déguisements, par exemple. C'est ça. Ça fait une scène. Alors, Asinou, cours d'Ali. Oui, bah, je pense que c'est ma dernière étape, je crois. Oh, pareil, j'ai pas fait. 5 km. Oh, ça va être dur, intense et court. Bon, c'est pas plus mal. Ça tombe bien comme, comme étape. Comme ça, ouais, à 13h15 environ, là, j'honorerai votre résultat de vote. Alors, j'ai pas mis les oreillettes, donc j'entends pas ce que dit le copilote, ce qui est littéralement suicidaire. Je veux me reposer les... Voilà. Je crois que je vais remettre mes oreillettes. Oh là 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 là. Vous allez me dire foutu pour foutu. Je crois que ça va être pire. Si j'écoute pas ce qu'il dit, copilote. Là, j'ai l'indication de l'écran. Donc, hein. Pardon, j'ai dégommé pas de nouvelle semaine, je voulais pas. Je vais coûter cher à la localité. Tambour sur mon site. Je sais pas si c'est la fête ou une manif, mais alors punaise, il y a du graphique. Il y a de l'animation. Hop 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 hop. Ça en sourdine, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Il me fera toujours rire le copilote qui peste et qui arrache le tableau.
Bibs à gogo, d'accord, ok. Ah, deux votes clip gogo et un promenade vidéo, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, bah je vous remettrai les clips. Faut que je vous prépare ça, le temps de la rediff. Ah, j'aurais un double. Non, qui me fait entre parenthèses. Ça, ça c'est rare, parce qu'en général, j'évite d'avoir des doubles. Comment qu'il pèse de rage, oh mon dieu, la rigolade. Non, oh, je quitte pas là où il faut. Mais non, continuez, non, c'est pas, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, je sais pas si je vois une super spéciale ou si je bascule dans l'autre pays. Ah oui, l'Allemagne. Ah bon, on peut écouter rapidement la carte postale de l'Allemagne. Et je ferai ça la prochaine fois que je ferai du rallye. Le rallye d'Allemagne à Dac se déroule sur des routes goudronnées de la campagne allemande. C'est une épreuve rapide, traversant les vignes et les forêts de la vallée de la Moselle. On compte aussi des spéciales sur terrain militaire, avec des blocs de béton sur le bord de la route.
ce qui oblige donc à soigner sa trajectoire pour négocier encore mieux les virages. Les vignobles allemands. Ouais. Je vais éteindre la PlayStation Kick avec une violence inouïe. je repasse en plein écran. Alors, je reviendrai à partir de 14h. Hein. On se fait au moins 3 quarts d'heure de clips à gogo. Je pense que je reviendrai sous Arx Fatalis. J'aimerais continuer la carrière, je sais plus où j'en suis. Je dois pas être loin de la baston finale. Arx Fatalis, et puis après, vers les 16h, 16h30, 16h même. Je pense que je resterai ouvert à vos propositions, si on peut se faire des jeux en commun, voilà, n'hésitez pas à faire des propositions. Donc je laisse le début d'après-midi peinard pépouze, parce que je veux pas décrocher du scénario d'Arx Fatalis. Et puis je me tourne vers Thune Sen qui doit être à table, hein, pardon, bonne à tout le monde. Mais Thune Sen, si tu veux, on fera le point tout à l'heure à chaud, tu m'interpelles dans le direct. Si tu veux qu'on essaye de se faire un Dying Light en coop, en gros de 16 à 18. Et puis ouais, éventuellement à 18h, on bascule Nayonet, t'as raison, sur le logo de Torota. Le logo. Le Lego. Non, le logo il est beau de Torota, c'est un beau dragon de glace là. Blanc et bleu. Il y a Aerostar qui fait un jeu chinois. Prolong Fallen Dynasty. Tiens, par exemple, je vais vous mettre en lumière Aerostar, enfin bon. J'ai envie de dire, vous ne le connaissez que trop bien, mais... Voilà. Aerostar. What? Mon dieu. Ah. Et... Question sur un jeu, là, de Wolong. Je sais pas ce qu'il vaut. Je crois que c'est un joli jeu, mais je sais pas ce que c'est. Oh, mon dieu. Oh là là, j'ai des cheveux hirsutes, c'est horrible. Le rayon de lumière. Oh là, faut que j'envoie ma coiffure pour demain. Moi, j'ai l'air d'un plouc. C'est bizarre, on dirait que j'ai un cheveu hirsute sauvage mal coupé. Oh merde. Oh, j'ai pas l'air con. On dirait moi qui bataille, vous savez, le matin devant la glace de la salle de bain. On va dire presque comme tout le monde. J'ai un cheveu hirsute, ça fait débile. Oui, la perruque rose sera mieux. Bah, si tu veux, je la remettrai cet après-midi, la perruque rose, si ça vous amuse tant que ça. Ça va, il fait pas encore trop chaud, donc autant... On peut profiter un peu de la nouveauté de que je mette des âneries sur mon crâne. Je vais couper la musique aussi. Je serais capable de me faire avoir, de vous laisser la musique alors qu'il y a les clips. Faut payer. Voilà, donc grosso modo, je pense que ça va être ça le programme. On va faire 14h, 16h, Arx Fatalis, 16h-18h, peut-être, conditionnel, de la COP avec une scène dans Dying Light, ce serait cool qu'on essaye. Et 18-20h, peut-être un peu même au-delà de 20h, on continue le Lego et on papote entre nous en vocal. C'est une très très bonne suggestion. Le mot magique, sinon ça marche mieux, ouais. Bon allez, je vous mets les clips et puis j'ai faim. J'arrête de baragouiner, là, de baratiner. Je vous lirai évidemment dans le chat. Minecraft, j'en ferai le soir, j'en ferai hors antenne Minecraft, je pense. Si je suis pas trop crevé, Minecraft reviendra hors antenne. Parce que là, je suis en train de fabriquer mon château, l'intérieur. Oui, Minecraft, c'est pas le mot magique, ouais. Si, ça pourrait. Ça pourrait. Allez, où les clips? Je vais me taire, je vais aller manger. À tout à l'heure. Donc, vers 14h, je refais le point dans le chat si je reprends mon antenne à 5 minutes près ou pas. Hein. N'hésitez pas à lire dans le chat. Exclusivement sur mon canal principal, le normal où tu vois ma tronche en portrait, le Sage de Nancy. Là justement, je fais exprès de